Voilà, chers compatriotes, nous sommes en train de vivre une situation inédite dans les territoires de la matrice de Berlin, celui que vous appelez République à démocratiser du Congo et dont nous appelons État indépendant du Congo. Nous sommes en train de vivre une situation de mafia, de haut voltige au sommet de l'État, où deux clans tribaux sont en train de se battre pour des raisons occultes qui ne concernent en aucun cas les peuples congolais et surtout dont les bénéficiaires premiers sont les cousins, les parents, les membres de la famille, les membres des familles de ces deux partenaires qui sont en guerre à haute voix, mais sans pour autant la déclarer. Nous avons vu tous ensemble les conseils spéciaux en matière d'économie Biloba venir détruire tout l'argumentaire que Vital Kamerhe a exposé depuis le début de ses procès. Je tiens à nous signaler que à chaque fois que Vital Kamerhe était accusé de quelque chose ou à chaque fois qu'il répondait aux injonctions du juge ou du ministère public, il ne cessait de rappeler qu'il agissait sous ordre du chef de l'État. Je dois nous rappeler que Vital Kamerhe est le directeur de cabinet du chef de l'État. Tout ce que Vital Kamerhe a fait comme mouvement, comme déplacement des fonds, comme action sous couverture des directeurs, des cabinets, de la présidente, du chef de l'État, est à la responsabilité du chef de l'État. Nous ne pouvons pas séparer les directeurs de cabinet de la présidence de la République et l'institution présidente de la République qui est représentée par M. Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. Lorsqu'ils ont parlé de leur projet de censure, etc., Vital Kamerhe n'a pas cessé de rappeler qu'il n'était qu'un simple exécutant. Si Vital Kamerhe est un simple exécutant, de qui provenaient les ordres qu'il exécutait? La réponse est bien sûr Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. À haute voix, le directeur de cabinet est en train d'exposer devant le monde entier que les responsables de ces déboires actuels, les responsables de ces fonds-là détournés, n'est autre que les présidents de la République. Il est allé même dire à haute voix, je préfère rien dire, cacher les documents que j'ai et rester à ma cala que exposer sur la place publique les présidents de la République. Il est en train de dire à haute voix, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est le président de la République, mais je ne vais pas l'exposer, j'accepte de payer en restant en prison. Pendant ce temps-là, le conseil spécial de la présidence de la République en matière d'économie a chargé M. Vital Kamerhe, comme nous ne pouvions l'imaginer, démontrant en même temps les clivages existants entre la présidence de la République, en tout cas entre ceux qui travaillent dans cette institution-là de la présidence de la République. Nous avons découvert qu'il y avait un clan de Kabeya Kamwanga et un autre clan de Walungu. Et ces deux clans-là sont en guerre de tranchées où, à l'issue du procès de ce qui s'est passé aujourd'hui, nous pouvons déduire que Vital Kamerhe, en tout cas les clans de Walungu, est tombé. Mais lorsque nous parlions de la tribalisation de l'appareil de l'État, nous étions traités, nous, de tribalistes. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux et de tous les qualificatifs péjoratifs pour nous discréditer de manière à ce que nous ne puissions pas mettre en lumière cette situation tribale qui règne au sein de l'institution présidente de la République. Vous remarquerez tous les individus qui sont passés là-bas, qui ont intervenu, excepté deux ou trois personnes. Tous les restes étaient soit du Kasaï, étaient des Baluba, ou alors étaient des Walung, ou du site Kivu, étaient des Mossi. Donc, deux tribus en train de se confronter, de se partager les gâteaux de la nation. Jusqu'à quand nous allons accepter ce genre de situation qui hypothèque l'avenir de la nation entière? Au stade où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une position telle que nous pouvons le dire avec la sortie du conseiller spécial en matière d'économie du président de la République. Félix Tshilombo venait de donner un coup de massue extrême sur la tête de Vital Kamerhe. Il nous a promis de mettre les feux sur sa famille, s'est présenté. Nous avons entendu qu'il fasse, qu'il nous montre ses talents de pyromane, mais nous n'avons rien vu. Et à notre grande surprise, un conseiller sorti de nulle part, s'est arguant d'une expérience de plus de 20 ans, sûr de ce qu'il dit, accusant
de tous les maux, les directeurs des cabinets, acquisant l'architecture mystique qui a dépouillé les deniers publics de l'argent des contribuables, acquisant directement Vital Kamerhe. Et lorsqu'on leur demande de prouver, même pas de prouver, mais ils sont en train de parler d'un montant de 57 millions de dollars, et les conseillers spéciaux du président de la République arrivent avec une précision détaillée, nous disant à haute voix qu'il s'agissait plutôt de 67 700 000 dollars. Ce qui fait qu'il y ait une différence de 9 100 000 dollars évaporés pendant que les 57 millions qu'on est en train de chercher ne sont pas encore retrouvés. Nous nous retrouvons dans une situation telle que lorsqu'on demande à ces conseils spéciaux en matière d'économie à la présidence de montrer les documents, il nous sort un document de la Banque centrale ou je ne sais pas de quel réseau qui n'a aucune signature, aucun cachet, qui n'a aucune identification qui puisse nous faire dire qu'il s'agit d'un document qui sort d'une organisation officielle. Donc, le peuple est pris en bourrique, le peuple est traité en idiot et nous sommes en train de vivre une situation inédite telle que quelques individus sont en train de manipuler la nation entière. Mais la réalité se trouve où? Qui sont les responsables de cette histoire et qui tirent vraiment les ficelles dans tout ceci? Nous avons compris que celui qui est derrière cette affaire, des 100 jours en tout cas, de ce procès, ce n'est autre que Hippolyte Kanambe alias Kabila. Il est en train d'essayer de faire tomber Chilombo Bizimungu Pétain Wakanambe parce qu'il sait pertinemment que s'il condamne les directeurs de cabinet du chef de l'État, automatiquement les responsables, c'est les chefs de l'État. Je vous ai dit cela en ma première vidéo qu'il s'agissait d'un procès politique et il fallait avoir Chilombo en douceur parce que si Vital Kamerhe est condamné aujourd'hui, automatiquement les responsabilités vont revenir à celui qui donnait des ordres. Qui est lui, Vital Kamerhe, exécuté. C'est comme dans l'armée, lorsque vous allez en guerre, les militaires qui sont responsables d'exactions se couvrent par l'ordre qui a été donné par les chefs. Vous avez vu Jean-Pierre Bemba faire 10 ans à la haie pour la simple raison que ses troupes ont mangé, ont tué en Centrafrique. Alors que lui-même, Jean-Pierre Bemba n'était pas sur le terrain, mais c'est lui qui a porté la responsabilité. Pour dire simple, l'ordre est donné. C'est lui qui exécute l'ordre, n'est pas le responsable de l'ordre. Il n'est pas en tout cas le responsable intellectuel et moral de cet ordre-là. Ce qui veut dire que tout cet argent-là disparu dans la nature, cet argent des contribuables congolais disparu dans la nature. Si vous voulez savoir qui est responsable de ces scénarios-là, il faut aller secouer la présidence de la République et Chilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. Voilà comment la condamnation de Vital Kamerhe va ramener à ce que les parlements se retrouvent en congrès, Assemblée nationale et Sénat réunis pour retirer l'immunité présidentielle qui fera que Chilombo puisse redevenir justiciable et passer à la Cour constitutionnelle où il sera destitué. Au cas contraire, il va faire les toutous à jamais de Hippolyte Kanambe alias Kabila. Voilà pourquoi je reviens encore aujourd'hui pour vous dire, nous avons l'habitude d'être accusés de trop parler sans pourtant proposer des solutions. La solution reste une et unique. Dans la situation actuelle, Chilombo, s'il veut sortir, je ne dirais pas indemne, mais il veut sortir la tête haute, il veut sortir grandi, il n'a qu'à dissoudre les parlements, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et les Sénats. Et pendant qu'il fait cette dissolution-là, il appelle les peuples au soulèvement populaire, à l'application de l'article 64, à aller protéger les institutions de l'État et à mettre hors d'état de nuire la bande à Kabila et son front commun des corrompus qui a saigné les Congos depuis les dernières 23 années qui viennent de passer. Voilà la solution pour sortir de ces problèmes-là. À défaut de quoi, rassurez-vous que Hippolyte Kanambe alias Kabila ressortira grandi comme jamais. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, s'il met sa machine en œuvre, la loi congolaise, la justice congolaise sera favorable en ce qu'il va proposer comme solution pour la simple raison que Vital Kamerhe est condamné, c'est le président de la République qui est condamné. Et lorsque le président de la République est condamné pour des faits qui sont assimilables à la haute trahison, pour la simple raison qu'il est le garant de la Constitution, il devient
quelqu'un qui peut être destitué pour la simple raison que sa destitution dépendra des parlements, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et vous n'êtes pas sans le savoir que l'Assemblée nationale et le Sénat sont contrôlés par Hippolyte Kanambe alias Kabila. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'appareil judiciaire de la nation, de l'État, est contrôlé par Hippolyte Kanambe alias Kabila. Voilà où l'affaire est conclue. Lorsqu'on vous demande d'aller étudier, d'apprendre les subtilités des textes, d'apprendre à élire complètement les documents que nous avons entre nos mains, c'est simplement pour éviter à ce que vous puissiez vous retrouver dans des situations qui ont voulu que Chilombo signe un deal sans pourtant s'en rendre compte des contenus. Un deal qui a dépouillé totalement sa personne du pouvoir qu'il pouvait avoir du président de la République. Pour la simple raison que les leviers régaliens de l'État ont été gardés par Hippolyte Kanambe alias Kabila. Voilà comment Félix Tshilombo Bizimungu Pétain a été crucifié. Mengu mengu bomo na kimbirikiti. Métatron, Ibobo.